Bonjour à tous, bienvenue sur le vlog de Marion et Amélie. Connu du grand public pour son rôle dans la série Un village français, Romain Rinucci est aussi un comédien, metteur en scène et directeur d'un centre dramatique national. Il nous parle de l'importance de la transmission, de la rencontre avec le public et de l'éducation artistique. Et surtout, il nous donne envie de dire, de faire et d'y croire. Bonjour, je suis Romain Rinucci, je suis comédien. Mais aussi, je me suis toujours attaché beaucoup à la question de la transmission. Donc, je suis attentif à être aussi professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique, directeur d'un centre dramatique qui s'appelle les Tréteaux de France. Par ailleurs, je suis aussi un militant associatif et nous avons créé une autre équipe et moi-même, il y a 23 ans, un lieu en Corse qui s'appelle l'ARIA et qui consiste à recevoir toute l'année des professionnels mélangés avec des amateurs, avec des enseignants de l'éducation nationale, avec des participants de tous les pays et de fêter le théâtre par la formation, c'est-à-dire lorsqu'on est ensemble longtemps, on crée des œuvres et elles sont présentées au public. En tant que comédien, vous jouez sur tous les fronts, télévision, cinéma, théâtre. Est-ce que cela vient d'une envie de diversifier votre travail ou simplement le plaisir du jeu ? Avant tout, le plaisir du jeu, mais comme je suis toujours extrêmement sensible à la rencontre avec le public. Donc au cinéma, on diffère cette rencontre avec le public. Quand on fait du théâtre, on est en direct avec le public. Lorsqu'on fait de la télévision, du cinéma, de l'image, eh bien, elle est différée et la rencontre n'est pas tout à fait la même. Donc cette complémentarité, elle existe profondément pour moi. Et puis ensuite, le travail n'est pas tout à fait le même. Je sais pas ce que c'est que l'amour. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas ce que c'est que l'amour. Le jeu au cinéma ou à la télévision est beaucoup plus retenu. Il peut être très très généreux et très entier, mais il ne demande pas à porter sa voix. Par exemple, il ne demande pas à parler à des spectateurs qui se trouvent à 20 mètres, à 50, voire beaucoup plus. Quand on joue dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, et on s'adresse à 2000 personnes qui sont éloignées de près de 100 mètres. Pour se parer du coup, en vain, on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue. Donc la technique de jeu n'est évidemment pas la même de par la profération, l'amplitude de tout ce qu'on a à jouer par rapport à un jeu avec une caméra qui se trouve en général à quelques mètres. C'est une question à la fois technique et en même temps une question d'engagement qui n'est pas tout à fait pareil, eu égard à la différence que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'on diffère, différence avec un A dans ce cas-là, comme dirait le philosophe Derrida. On diffère la chose. Vous êtes aussi metteur en scène. En tant que metteur en scène, vous venez de travailler sur une adaptation de Britannicus, de Racine, avec des masques, Covid oblige. Est-ce que cela a eu un impact sur votre technique de jeu, sur la technique de jeu des acteurs ? Dans le cadre des Tréteaux de France, qui sont un centre dramatique national, il fallait continuer ce service public, puisque c'est un organisme d'État. En période de Covid-19, comme on l'appelle, eh bien, il fallait continuer à travailler. C'est ce que nous avons fait, et on ne pouvait jouer que dans une sécurité sanitaire. Voilà. Donc nous avons joué masqué. Britannicus, en effet, c'est une œuvre qui permettait de, malgré un masque qui masquerait le visage, faire entendre un texte d'une manière absolument parfaite. Le fait d'être sur un verbe très puissant, les mots donnent à voir des images, eh bien, cela n'était pas gênant d'avoir un masque qui obture la bouche. Les mots faisaient leur travail. Donc, bien sûr, c'est différent. Bien sûr que ça demande parfois même aux spectateurs une petite adaptation. Ça change les choses et en même temps ça demande une plus grande précision, une plus grande acuité pour celui qui regarde et qui écoute. Et puis très vite on l'oublie parce qu'au théâtre, particulièrement, les mots, comme je l'ai dit, donnent à voir. Et l'imagination se met en chantier, quoi qu'il arrive, avec les mots que l'on dit. Et vous venez donc de l'évoquer, vous êtes directeur depuis 2011 du Centre Dramatique National Les Tréteaux de France. Qu'est-ce qu'un CDN ? Et quelles sont les particularités de ce CDN ? Alors, un centre dramatique national, c'est un lieu qui a été créé depuis les années 1959. Il y en a 38 aujourd'hui. Ce sont des maisons de théâtre qu'André Malraux a fondées avec le général de Gaulle, qu'on fête en ce moment, qui sont très actuelles dans la mesure où à chaque fois, ils sont en lien avec un territoire. Donc, un centre dramatique, parmi les 38, y compris dans les régions ultramarines, il y a des maisons de théâtre qui créent des spectacles et qui se soucient de faire rencontrer les œuvres créées avec le public. Pour les Tréteaux de France, parmi les 38, il est le centre dramatique singulier qui consiste à ne pas avoir de lieu d'accueil du public,
Nous avons des bureaux, des salles de répétition, très belles d'ailleurs et très grandes, qui sont à Aubervilliers, mais nous ne recevons pas le public. Nous allons à la rencontre du public. Et la mission première de ce centre dramatique, c'est d'aller à la rencontre du public qui n'est pas habitué à voir du théâtre ou qui n'a pas près de chez lui un autre centre dramatique ou un autre équipement théâtral, ce qu'on appelle une scène nationale. Donc mon travail avec les équipes, c'est d'aller à la rencontre de ces publics là où ils sont, dans un petit village, dans une petite ville, mais toute l'année dans des lieux désaffectés, des friches, des salles des fêtes, pourquoi pas. Et j'affectionne beaucoup ces rencontres avec un public qui, parfois, il a le manque, il ne le sait pas encore. Une fois que nous sommes passés, je suppose que ça crée un manque, mais il n'a pas encore forcément le désir. Voilà, il est venu parce que c'est nouveau, qu'est-ce qui se passe chez lui? Et il y a une véritable qualité du rapport parce qu'il n'est pas saturé, on va dire, par des histoires qui lui est racontées très souvent. Donc il y a un appétit de ce public-là. Et comment vous préparez la réception des œuvres sur le terrain? Vous y travaillez en amont? Nous nous déplaçons un peu avant, nous rencontrons la population, nous faisons des moments de jeu avec la population, de pratique, des ateliers, de lecture à voix haute, par exemple avec des amateurs, des rencontres avec les enseignants de l'éducation nationale, le public lui-même. Et lorsqu'il va voir ce public le spectacle, eh bien, il aura déjà entendu les Alexandrins parce qu'il les aura dit lui-même, il les aura peut-être lus, peut-être il les connaîtra un peu en les découvrant avec nous, peut-être qu'il en aura entendu un peu avant, puis ça l'aura complètement gavé, comme on dit aujourd'hui, parce que parfois l'école détourne, on a appris quelque chose qui fait ta-da-da, 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 et puis j'en compte, on a travaillé ensemble, et on se rend compte que le rythme est complètement différent. Il dit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, pour faire 12 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ces sons-là, tout d'un coup, ressemblent à la langue parlée que nous avons en ce moment. Et il y a ce petit travail qui s'est fait, voilà, avec le public. Et quand il va écouter l'œuvre, Britannicus, une œuvre qu'il pense être classique, parfois peut-être un peu poussiéreuse, il va voir à quel point elle est contemporaine. Et dans ces moments-là, partagé avec une population qui vient voir le spectacle le soir, tout est transformé. Et très souvent, on nous demande de revenir, quelques mois après, l'année d'après, avec un autre spectacle, et à nouveau, des ateliers, de la pratique et de la présentation de l'œuvre. Ça crée un rapport différent de celui qui va dans une salle de spectacle, qui paye un billet, qui s'en va, qui ne rencontre pas les acteurs, où la relation est complètement minorée. C'est pour ça que ça s'appelle, disons, la transmission, si vous voulez. Il y aurait la création et le fait qu'on s'intéresse à transmettre ces œuvres. Et est-ce que la transmission permet de rendre l'art et la culture accessibles à des foyers qui, pour reprendre d'ailleurs une de vos phrases, ne sont pas encore convaincus des bienfaits que la rencontre avec le spectacle procure? Tout à fait, puisque j'évoquais le fait que certains se sont déjà peut-être détournés de cela. Ils sont venus peut-être par curiosité, ils sont venus parce qu'il se passait quelque chose près de chez eux, ou bien quelqu'un les a attirés. Tout le travail est de se dire que ça leur revient profondément, d'une part. Ce sont encore une fois leurs impôts, s'ils en payent, et que c'est quelque chose qui est fait pour leur permettre d'accéder à une plus grande liberté de pensée. Quand on voit le monde devant soi dans une histoire qui vous est racontée, elle vous fait penser à ce que vous êtes. Et en ce sens, elle, je dirais, c'est un mot un petit peu fort, mais qui est juste, elle émancipe, c'est-à-dire qu'elle permet à chacun d'avoir un peu plus d'esprit critique, un peu plus de discernement, un peu plus de façon de voir le monde à sa façon, parce qu'il lui est représenté devant elle ou devant lui. Étymologiquement, vous le savez, un auteur, c'est un auctor, c'est un petit préfixe indo-européen qui dit « je t'augmente ». Lorsqu'on va voir du théâtre, en général, on est augmenté. L'auctor a fait son travail qui nous grandit un petit peu parce qu'il nous a fait réfléchir, penser, comprendre mieux le monde, la différence de l'autre, très souvent, et c'est dans la différence de l'autre que l'on affirme davantage sa propre différence. Donc on est aux confins de l'art, mais aussi de la citoyenneté, du respect de l'autre, de l'envie de vivre ensemble, de mieux se connaître. Le théâtre, c'est un outil formidable pour affirmer les différences. Et vous défendez l'idée d'une éducation artistique populaire, accessible à tous. Qu'est-ce que l'éducation artistique ? L'éducation artistique peut se passer dans le cadre scolaire, c'est un projet d'établissement parfois, c'est la volonté parfois d'un directeur d'établissement. C'est aussi parfois la passion d'un enseignant qui a fait lui-même du théâtre ou qui aime la poésie ou qui aime l'art en général. Je parle essentiellement du théâtre, mais c'est le cas pour d'autres arts, évidemment, le dessin, la peinture. Simplement, nous avons tous vécu
le dessin, la peinture, voire la musique, avec parfois une flûte à bec, ça ne nous a pas pour autant éveillé tant que cela à la pratique et au désir d'écouter de la musique, ou d'en jouer, bien sûr, ou de dessiner, ou de peindre plus tard. Donc il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une forme de ratage, je dirais, dans l'enseignement de ces pratiques. Ce qu'il a manqué peut-être, c'est la réelle pratique. Peut-être une phrase que je peux vous donner qui me touche moi, qui vous dirait que, par exemple, c'est pas la même chose d'apprendre la façon dont on apprend à nager dans l'histoire des natations et d'aller à la piscine. Pour nager, il faut aller à la piscine, ou bien dans la mer, dans l'eau. Donc cette pratique, elle est absolument fondamentale si l'on veut avoir le goût et surtout le savoir-faire, qui est une capacité d'agir dans beaucoup de choses, parce que quand on sait nager, on a une autre assurance. Et bien quand on sait prendre la parole en racontant une histoire, quand on sait s'adresser aux autres, quand on sait créer de l'imaginaire entre ceux qui vous écoutent et ce que vous êtes en train de faire, eh bien c'est une véritable pratique et ça s'apprend. Ça n'est pas de l'enseignement, une chose que l'on montrerait, hein, c'est le tableau de la Joconde, mais apprendre à peindre, apprendre à dessiner réellement, apprendre à dire, apprendre à jouer, ce sont des pratiques qui augmentent les capacités d'agir de la personne qui le fait. Et puis si ça n'est pas hors de l'école, un autre lieu important de transmission de l'éducation artistique et culturelle, c'est le monde associatif. Parfois en dehors de l'école, sur le temps qu'on appelle périscolaire ou extrascolaire, eh bien, on a rencontré une personne qui vous emmène dans une association, dans un lieu où vous allez travailler justement quelque chose avec vos mains, où vous allez inventer des histoires dans un club de théâtre, ou dans un club de poésie, ou de danse. Et on va se mettre à danser, à faire du hip-hop, à danser, et on va sortir de son école, là où parfois on peut avoir échoué, parce qu'on a mal compris les enseignements, justement, et l'absence de pratique. Mais l'expérience que l'on a aussi dans ce cadre associatif va peut-être réparer, compenser, ou bien complètement éveiller, faire naître, l'expression de soi-même, une jeune fille ou un jeune garçon qui n'aura pas pu le faire dans le cadre scolaire. Parfois, le plus timide se révèle le plus créatif dans l'école ou hors de l'école. Et puis parfois dans la famille, mais ça c'est très inégal, il peut ou il peut ne pas y avoir de livre dans une famille. Donc il y a au moins et l'école et l'extérieur qui peut jouer, si la famille ne joue pas le jeu. Si l'école ne joue pas le jeu, il y a l'extérieur, et puis il y a les activités multiples qu'on peut faire à l'école, enfin voilà. Robin Renucci, au fur et à mesure de votre parcours, vous avez obtenu de plus en plus de reconnaissance. L'Ordre National du Mérite en 2010, Chevalier de la Légion d'honneur en 2008, Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017, vous êtes président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux, vous êtes membre du Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle. Est-ce important aujourd'hui d'être reconnu par l'institution ? Alors, il y a deux mots que vous évoquez. L'institution, c'est ce qui justement nous fait tenir tous ensemble. J'attache une grande importance à la question de notre République. Vous parliez du vivre ensemble, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, de l'hospitalité. Il faudrait parler peut-être aussi de tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire partie de notre nation et qui sont aux portes de notre nation et qui pourtant sont sur notre territoire. Donc oui, tout cela m'importe. Alors les reconnaissances, je ne veux pas dire que ça n'est pas agréable, bien sûr c'est important, mais au fond, ça n'est pas du tout ce que je cherche. C'est un fait, au bout d'un moment on vous met des petites médailles, à 63 ans comme c'est mon cas, on a vécu quelques décennies, et puis si on a fait des actes qui étaient bons pour le collectif, pour la patrie en l'occurrence, pour la nation, vous avez des reconnaissances de signes de la nation. Donc ça fait plaisir. Mais pour autant, très sincèrement, c'est très secondaire. Ce qui compte, ce sont les actes. C'est ce que l'on fait. Voilà. Et ce qu'on fait, j'essaie que tous les jours d'aider, de travailler à ce que ma propre élévation personnelle, c'est-à-dire mon accroissement de mes capacités d'agir, elle soit liée au fait que je tente d'exercer, d'aiguiser les capacités d'agir des autres. J'ai des enfants, par exemple, 4 enfants, j'ai souhaité qu'ils bénéficient du meilleur, bien sûr. Et en même temps, les autres enfants sont aussi nos enfants. Donc, pour l'éducation artistique, comme pour l'âge d'adulte, permettre à chacun d'aller au bout de ses capacités, c'est un projet qui m'intéresse. Si on a des petites médailles pour ça, tant mieux pour ceux qui nous les donnent. C'est très bien aussi de les avoir, mais ce n'est pas plus important que ça. En revanche, peut-être que
on peut avoir plus de crédibilité. Ça, c'est possible. Que l'on écoute davantage ce que vous dites ou ce que vous avez envie de faire. C'est pas plus facile pour autant. On a des difficultés, je vous assure, parce que nous vivons dans un monde où ce que je raconte, le partage, la reconnaissance de la différence, est un peu contredit régulièrement au quotidien. C'est pas simple de voir qu'un monde est basé sur la compétition, sur la compétitivité des uns avec les autres, qu'ils ne sont pas pour autant des ennemis, mais on n'est pas loin parfois. Vous savez, il y a des moments où on a entendu que notre monde était une jungle, l'homme est un loup pour l'homme. Alors ça, c'est un philosophe qui s'appelle Hobbes qui dit ça, mais il dit aussi que l'homme est un dieu en société, s'il sait vivre en société. Donc nos sociétés très égoïstes, très immédiates, très pulsionnelles, très basées sur l'avoir, sur l'acquisition, elle n'est pas toujours fertile, facile, lorsqu'on veut planter pour longtemps, lorsqu'on veut faire en sorte que les uns et les autres bénéficient d'une plus grande égalité. Notre société n'est pas très égalitaire. Donc oui, c'est pas pour autant facile, surtout quand on est volontariste comme je le suis, d'arriver à nos objectifs communs. Voilà. Ça n'avance pas beaucoup, vous savez, ça n'avance pas tant que ça. L'éducation artistique dont nous parlions, elle a au moins 4 ou 5 décennies de militants. Eh bien aujourd'hui, il nous faut reprendre toujours le chantier, parce qu'il n'est pas toujours compris, hein, que c'est un travail qui n'est pas un travail de compétition. Ce n'est pas pour faire un concours d'éloquence où celui qui est le plus brillant va gagner un prix. Ce monde est basé sur la compétition, notamment le grand système que nous avons mis en place par le capitalisme, qui est le marché, hein, qui est basé sur la compétition et la concurrence, on appelle la libre concurrence. Eh bien, on n'est pas dans le fait que aider l'autre peut totalement être une autre valeur dans ce monde. Aider quelqu'un, c'est construire avec lui, c'est coopérer et c'est peut-être beaucoup plus avancer justement dans quelque chose que l'on peut construire ensemble, plutôt que toujours être dans la compétitivité. Donc c'est pas simple. Et quelle serait la politique culturelle idéale alors pour rendre le théâtre accessible, mais pas seulement financièrement, mais aussi symboliquement? Alors première chose pour moi, ce serait que chacun, enfin que certains n'aient pas de privilèges sur d'autres. Et les privilèges dans l'enfance, c'est de savoir lire ou de ne pas savoir lire aujourd'hui. Quand on ne sait pas lire, on ne peut pas bien dire, on ne peut pas bien penser, on n'a pas les mots. Et les mots sont des fenêtres qui vous ouvrent des horizons à chaque fois. En général, votre horizon s'arrête aux frontières de votre langage. Donc, permettre à des jeunes gens d'aimer, dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, à travers des œuvres écrites, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mots quand on commence, c'est une chose. Et donc, apprendre à lire, ça serait la première des choses. Toujours Victor Hugo dit une phrase très belle, « Lire, c'est donner le feu. Chaque syllabe est une étincelle. » Lire, c'est donner le feu. Le feu, c'est la puissance d'agir, c'est la capacité de faire. Si l'on ne peut pas donner à lire et que chaque syllabe prononcée par un enfant soit une étincelle, c'est-à-dire quelque chose capable d'éveiller totalement sa capacité d'agir, eh bien on manque à sa mission et d'adulte, de pédagogue, d'enseignant, et d'être humain, tout simplement, parce qu'il n'y a rien sans la transmission que j'évoque depuis tout à l'heure ensemble. Donc, je dirais que le premier geste, c'est l'inégalité face à la lecture. J'entends pas de lire tout le monde qui lirait de gros livres de Marcel Proust, bien que ce soit merveilleux, mais lire, tout simplement. Lire un texte et dire. Les fondamentaux de l'école aujourd'hui sont lire, écrire, compter, respecter autrui. Je travaille, depuis pas mal d'années, à faire entendre que lire, dire, écrire, compter, respecter autrui devait être les nouveaux fondamentaux de l'école. Il faut passer par le dire de l'enfant. Puisque chaque syllabe prononcée est une étincelle, chaque livre est un feu que l'on peut allumer. Quel message vous souhaiteriez faire passer à la jeunesse, ou j'aurais envie de dire aux jeunesses? Je dirais que oui, en effet, vous avez bien raison de rectifier. Il n'y a pas la jeunesse comme une espèce, mais il y a chacun, chacune, peut-être qui nous écoute en ce moment, qui a l'âge qu'il a, l'âge qu'elle a, là où il est, là où elle est, plus près des villes, plus près des lieux éloignés des villes. Je ne sais pas où vous êtes, vous qui nous écoutez. Dire que vous êtes une chance, vous êtes notre chance pour l'humanité, puisque vous êtes là. De ne pas se laisser démoraliser par ce que les adultes ont créé comme monde pour vous.
que vous êtes le monde aujourd'hui, que chacun, chacune est un individu absolument singulier, c'est-à-dire unique au monde, et que le fait qu'il va devenir et exprimer pleinement ce qu'il est, s'il a la chance et la possibilité d'exprimer ce qu'il est, c'est une chance pour l'humanité. Donc plutôt que de se dire c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est de se dire que c'est une grande chance d'avoir 20 ans en 2020 pour tenter justement d'exercer le plus possible sa différence, de l'exprimer le mieux possible avec les outils, bien sûr je prétends être les bons, les outils justement de l'expression de soi, c'est-à-dire les arts, et de ne pas rentrer dans toute une machinerie qui dévore l'homme, qui consiste à prendre l'homme pour une machine et à l'oublier dans une espèce d'uniformisation que nos outils techniques peuvent apporter. Donc, créer de la singularité, c'est ce que je m'exerce à faire, hein, et je suscite le plus possible l'aiguisement, en fait, de la capacité d'agir de cette jeune fille, de ce jeune garçon, qui est ce qu'elle est, ce qu'il est profondément, dans une humanité complètement multicolore et polymorphe absolument, une chance, elle est, il est, pour qu'il développe ce que est en lui et en elle. Donc c'est un message totalement d'espoir, hein, que j'ai envie de donner. Faire attention à notre nature, deuxième message, c'est la naturalité, hein, c'est que se dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est notre bêtise capitaliste qui a provoqué cela. Ça serait dommage de passer à côté de cela, des causes de ce coronavirus. C'est la proximité de l'homme avec l'animal et le fait que la mainmise de l'homme sur l'animal est telle qu'il y a eu une porosité entre des gènes animaux et humains. Cette volonté de l'homme sur la nature, il faut qu'elle se minore, il faut qu'elle cesse un peu et rendre la nature à ses droits. La déforestation, toute l'organisation des écosystèmes, c'est la cause du coronavirus. Donc, respecter l'humanité dans sa singularité pour chacune et chacun, permettre à chacune et chacun d'être soi-même, faire attention à notre nature, c'est le deuxième endroit qui me semble très important, et puis se dire que l'humain, c'est un être social, c'est-à-dire qu'il a besoin des autres, et que ça ne peut pas être la compétitivité ou la concurrence qui mène le monde, mais au contraire, l'entraide, le soutien des uns avec les autres. Nous avons besoin des autres. Et aujourd'hui, pour certains, ils sont tout seuls. Donc, retrouver le fil du lien. Encore une fois, le lieu du partage artistique et du spectacle vivant, c'est un endroit formidable pour se retrouver, pour s'exercer à cela. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit commentaire, lâchez-nous un pouce et à bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo.